Avant de commencer, nous devons évaluer vos connaissances sur les placements financiers. Vous allez me faire une interrogation ? Et même une interrogation écrite. La réglementation européenne nous demande de valider le degré d'expérience de nos clients. Ah bon ? Oui, c'est l'assurance pour vous que votre banque vous proposera bien des produits adaptés à votre situation et à votre connaissance du marché. Ah bon ? Alors si j'y connais rien, vous n'allez rien me proposer ? Alors si, et dans ce cas, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez choisir en connaissance de cause. Je vous proposerai des placements adaptés à vos projets et à vos objectifs, notamment sur le rapport rendement-risque. Oui, si on veut gagner plus, il faut accepter de prendre des risques. Bon, bah, alors allons-y. C'est quoi les questions ? Alors, vous qualifiez votre connaissance des placements financiers, actions, obligations, SICAV, FCP, etc. Ou avez-vous détenu dans notre banque ou dans d'autres banques pour les 5 dernières années ? Les privatisations, OPO ou actions, ou SICAV, les opérations de privatisation, OPO, actions ou SICAV ? Oui, j'ai fait quelques privatisations il y a 3 ans. Opérations de privatisation, donc OPO ou actions, SICAV et FCP, actions. Et voilà. Alors maintenant, je vais imprimer le document. Et voilà, je vais vous demander une petite signature ici. Ah, parce qu'il faut que je signe ma copie maintenant. Oui, je dois justifier que nous avons bien estimé votre expérience. C'est une formalité qui vous garantit d'obtenir des propositions que vous aurez les moyens d'évaluer. Bon. Merci. Ouais.